Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live. On va découvrir Shogun Showdown, redécouvrir Shogun Showdown, le dernier né publié par les studios Goblins, qui est un studio français toujours. Je l'avais fait en démo lors d'un Steam Next Fest il y a déjà quelques mois et franchement j'avais été absolument fan du gameplay. J'ai fini la démo assez vite malheureusement, c'était une démo donc je vais pas la critiquer, mais ça donnait envie d'en avoir plus. Et ça y est, le jeu est sorti en Early Access, donc il n'y a pas encore tout. Mais on peut aller beaucoup plus loin, avancer beaucoup plus loin et débloquer des nouveaux persos. Un petit rappel sur ce qu'est Shogun Showdown, c'est donc un roguelite de type Dead Building. On va jouer notre petit personnage qui va tenter de mettre à mal les forces armées du Shogun, qui est vilain, on le voit derrière, là, il est vilain. Le jeu ne se joue pas à la manette. On ne joue pas encore à la manette parce que je pense que vu le gameplay, il va se jouer à la manette. On peut même le jouer déjà intégralement à la souris, donc pas de raison qu'il ne soit pas jouable à la manette un jour. C'est un des gros manques du jeu aujourd'hui, les développeurs le savent, ils travaillent dessus. On peut pas rebinder les touches ou quoi que ce soit, c'est ZQSD ou la souris, point barre. Donc c'est un petit peu gênant, mais bon, c'est le tout début de l'Early Access, donc admettons. Il est en français, ce qui est cool, c'est du solo, hein, c'est un gros glide, donc c'est du solo. Il est dispo sur Steam ou GOG, votre plateforme préférée, au prix de 9,99€, qui est peut-être un peu cher pour l'instant, mais vu le côté vraiment tactique stratégique du jeu, il y a moyen que ce soit franchement rentable en termes d'heures si vous aimez le style. Et salut Canton, merci pour ton réabonnement, 15e mois, merci beaucoup. Un jeu ni bon ni mauvais, plutôt bon en vrai, plutôt bon je trouve. On va retourner sur le jeu, on va se lancer. Alors j'ai fait un premier run de test pour me refamiliariser un petit peu avec les touches, faire le tuto, etc. Donc, ça se joue toujours pareil, deux touches pour se déplacer à droite et à gauche. Les flèches du haut pour se retourner, la flèche du bas pour attendre, et bon là on peut pas le faire, mais quand on a mis des cartes dans notre liste d'attaque, espace pour attaquer. C'est tout aussi simple que ça. Alors du fait que j'ai réussi à tuer le premier boss... J'ai deux crânes, on va donc voir si on peut pas prendre un petit truc cool. Donc on peut débloquer hein, de run en run, on va débloquer de l'or qui va nous permettre d'acheter des choses pendant le run et des crânes qu'on gagne en réussissant des objectifs sur les cartes de mission et qui nous permettent ça de débloquer des choses pour le côté roguelite quand on recommence. Alors Shobiti me demande s'il y a moyen de reset. Pour l'instant j'ai pas vu. Peut-être dans les options. Probablement, à un terme il y aura moyen. Mais pour l'instant j'ai pas vu. On va tester le coup surpuissant. Allons-y. Et la malédiction, je me souviens qu'elle était marrante la malédiction. Alors on va se tourner. Donc pour l'instant on a la vagabonde. Il y aura au moins deux autres personnages qu'on peut déjà débloquer. Dans la démo on pouvait pas du tout les débloquer. Là on peut les débloquer en réussissant à tuer certains boss. La vagabonde de base, elle est capable de permuter avec un ennemi situé juste devant elle, et après ça prend 4 tours à se recharger, c'est ce qu'on voit ici. Et de base on commence avec le tourbillon, fait 2 de dégâts devant et derrière, et la flèche qui permet de tirer une flèche devant qui fait 2 de dégâts. C'est parti, on va se refamiliariser un petit peu avec le système. C'est parti pour la bambouserie. Donc, le concept. On a des ennemis qui vont apparaître, ça c'est assez classique. On va faire une action et on va faire une action, tous chacun leur tour, ensuite on va rejouer, etc. Donc là on n'est qu'un joueur, un ennemi. Par exemple, je me tourne, voilà, il me dit qu'il commence à changer sa compétence. Moi je vais dire tiens, je prends la flèche, ça me coûte une action de charger ma flèche, il charge son épée. Il a 3 PV donc je vais pas lui faire assez, je vais charger mon épée, ça me dit que prochain truc il va avancer. Si je décide d'attendre, il avance. Prochaine attaque, enfin prochaine action, si je fais rien il m'attaque. Moi je peux décider d'attaquer, je vais lancer ma flèche, mettre mon épée et il est mort. Par contre du coup, mes compétences doivent se recharger. On voit en bas là les petites traits rouges. C'est le nombre de tours avant que ça se recharge. Ce qui fait qu'avec lui je vais devoir temporiser. Donc si je m'éloigne, il me dit qu'il va se charger un truc. Il a que 2 PV donc on devrait pouvoir s'en finir. Là il va avancer, je vais charger ça. J'avance, il m'attaque et je me le fais. Alors là ça va être plus subtil. On va commencer à endommager celui-là. Donc lui va attaquer devant. Lui va attaquer des deux côtés. Donc si je dois swapper c'est avec lui plutôt.
Alors lui il s'éloigne, d'accord, lui il attaque et après il s'éloigne. Donc l'objectif, bien sûr, est de... Le côté stratégique est de ne prendre le moins de dégâts possible. Et si on peut en plus faire des combos ou les forcer à taper sur les autres, ça peut faire des bonus. Là typiquement j'aimerais bien qu'il s'approche de moi pour pouvoir... Voilà, là il avance, pouf, voilà, et du coup j'attaque et je le tue. Donc c'est pas un combo là, puisque c'est son... si je les ai pas tués en même temps, c'est son pote qui les a tués. On va charger la flèche. Il m'attaque. Alors si j'arrivais à me mettre... Mais lui va pas se déplacer vers moi. Et le problème c'est que ça, c'est la même attaque que moi, donc si je skip avec lui, il va m'attaquer. Donc je pense que ce que je vais faire... Je peux changer l'ordre normalement, voilà. J'attaque celui-là, puis je tire. Voilà, combo, ça fait un petit peu plus de points. Si on arrive à faire terminer un tableau en ayant 0 dégâts, c'est une annihilation. Ça donne des petits bonus. Alors, on frappe la case juste devant moi et on repousse la cible le plus loin possible. Inflige dégâts de collision. C'est pas mal ça. On va prendre ça. Alors, on n'est pas obligé de prendre des choses. Hein. D'accord, donc là du coup, celui-là c'est un chargeur. C'est-à-dire que... Il va charger, alors à tout moment c'est pas mal, on a un petit moyen d'activer les infobulles, on peut pointer les ennemis, leurs attaques. Lui on voit que on peut faire sa rapidité de charge peut surprendre. Il va charger et frapper la première cible devant lui. Donc il faut qu'on l'élimine avant, on va le taper et repousser. Ça fait des dégâts de collision, il a pris un dégât, c'est parfait. On va prendre notre flèche, s'éloigner, on lui balance la flèche. Alors là il est tourné... pour potentiellement aller faire des dégâts à son copain. Donc ils vont se tourner tous les deux. On fait ça. Il va nous charger. Je me suis mal placé, mince. Non, là il va attaquer. Je skip avec lui, il charge son pote. On va activer ça. Là il se retourne, lui m'attaque. Mais du coup je fais mon petit tourbillon, puis ça, et j'en ai tué un. On va se retourner, s'éloigner. On charge la flèche, on le termine. On va faire simple là, on va se placer ici, bim, un petit combo, ça fait qu'un dégât malheureusement. Alors on peut trouver des consommables hein, qui vont nous vont emporter 3 de base. Ah ça c'est du corps à corps, je suis con, je pensais qu'il fallait faire que... Je pensais que c'était un projectile, je me suis gouré. Va 4 sur 5, alors... On va charger ça, ce sera fait. Maintenant est-ce que je peux faire un truc intéressant, parce que si je m'approche de lui et que je swap... Je vais être collé à lui, mais lui sera loin. Hop, voilà, là j'attends. Et lui me tag parce qu'il a 3 PV. Erreur. Mauvais move, là j'ai perdu 2 PV pour que dalle. Lui c'est pareil, si je swap avec lui, il va m'attaquer, donc c'est pas bon. Je vais me tourner. Hop. On va prendre les flèches, donc je vais le repousser sur son pote, puis le tuer avec une flèche, voilà. C'est pas idéal, mais c'est toujours ça de pris. Lui il se retourne. Lui va venir vers moi. Voilà, on attend. Et on les tape. Ah putain, il a 3 PV, faut que je m'y fasse, il a 3 PV. Ok. On a juste la survie, c'est pas ouf. Donc de temps en temps on va pouvoir choisir de nouvelles cartes, de temps en temps on va pouvoir améliorer une carte qu'on a. Et je pense que je vais améliorer la flèche. Donc on peut améliorer les cartes du nombre de petits points qu'elles ont en haut. Il y a diverses améliorations, augmenter les dégâts, la recharge, ajouter des effets divers. Là on va lui enlever un de recharge, c'est très bien. Elle se recharge en 4 maintenant. Et on arrive au boss de la bambouseraie. Alors le boss de la bambouseraie, le modeste jardinier s'est laissé séduire par les promesses de puissance et de prestige du shogun. Il est réputé pour ses charges rapides comme l'éclair et ses talents de bretteur. Ok. Et salut Bigadin, merci pour le raid hein, et bienvenue à tout le monde, hein. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que le live s'est bien placé. Je vais baisser un chouïa le son. Pas trop quand même. Hop, voilà. Salut Bigadin, merci beaucoup pour le raid hein. Alors je pense qu'au début, on va charger tout ce qu'on peut. Il va s'approcher de nous, on va l'attendre. On lui met
tout ce qu'on a, on le repousse. Enfin, il nous tape dans le vide, c'est nickel. Alors par contre maintenant, on a besoin de recharger. Alors là, il va appeler un copain. Très bien. Un chargeur, intéressant. On va lui mettre un coup en attendant. Ok, il va charger. Donc on va skipper avec lui. On se retourne. On va charger ça. Et ça. On le repousse dans son copain. On tire une flèche, il nous charge dessus et il nous tape. Bon, c'était pas parfait. Salut Acta, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Vous étiez sur du Blood Bowl, j'imagine. On va attaquer. Hop là. On peut le finir là, je pense. Ok, parfait. On l'a tué, évidemment. Alors, quelle race tu as testé cette fois, dis-moi, mon cher Bigadin. Salut, Lady Lafay. Alors, en général, après les cartes de combat, on a deux choix. Donc, soit une amélioration de niveau max et boutique de danse, ou alors amélioration d'enchantement et boutique de combo. Boutique de danse. T'as fait un live avec trois races différentes là, pas mal. Alors, il nous donne une potion. Bah, j'ai envie de dire qu'on va les claquer parce qu'on a perdu on a pris un peu cher en PV. Alors, on peut acheter la capacité spéciale permutation moins 1. Ouh, c'est fort ça, on prend. On apprend à danser pour permuter plus vite. Bigay apprécie bien l'alliance du vieux monde. Ah, un truc un petit peu mix du coup. Alors plus 1 niveau max, qu'est-ce que c'est que le niveau max? Je ne sais pas. Ah d'accord, ça rajoute un point. Ok d'accord. Donc ça nous coûte 10, vu qu'on a claqué 15, on peut pas le faire sur une autre carte, mais théoriquement vous pouvez faire autant de fois que vous voulez tant que vous avez de la thune dans les magasins. Ils ont des ogres, eux? Ils ont un big guy, l'Alliance du Vieux Monde? Je crois. Alors, la grotte au murmure, hein, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, donc faut que je fasse gaffe, lui il a 3 PV. On va essayer de faire en sorte que lui nous charge, si on peut. Voilà, là il va nous charger, hop, on va là. Ah, il va déjà nous taper lui. Il a plus que 2 PV donc tant pis, on le shoot. Du coup lui va nous charger, on va lui mettre une flèche dans les fesses. Ah, tu peux avoir l'arbre ou l'ogre. Ah, pas mal, ouais, j'avoue, ça change un peu. Ah, on a un nouveau mec là, donc lui le lancier. Il a 4 PV et il attaque à 2 cases de distance avec sa lance. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire 2 de dégâts et le repousser sur son copain. Voilà, parfait. On va avancer. On a notre flèche. On lui met une flèche dans les fesses à bout portant. Alors là, si on arrive à faire en sorte que lui charge et se prenne un coup de lance après. On va attendre. Voilà. Zut, c'est complètement raté ce que j'ai fait. On va se faire dépouiller. Eh oui. Parce que je ne pouvais plus permuter avec lui vu que je me suis éloigné comme un débile. Grave erreur. Du coup, on va attendre. Voilà, là il attaque. On y va. Il charge son copain. Toc. On va activer ça du coup, plutôt. Venir là. On le repousse. Et on rate notre coup parce qu'il est trop loin. Oulala, faut que je me concentre. Faut que je me concentre, on prend beaucoup trop cher. On va prendre une petite popo. Alors ça c'est quoi? Tu te rues en avant à travers les cibles et t'arrêtes sur la première case vide. Pas d'effet s'il n'y a aucune case vide. Ok, ça peut être pas mal pour quand je fais de la merde avec mes permutations. On maudit la première cible devant. Les ennemis maudits subissent le double dégâts. Ah, et ça déclenche pas de fin de tour quand on met cette tuile. Par contre elle a un temps de recharge assez monstrueux. Je pense qu'on va prendre la ruée de l'ombre. Ça me paraît mieux en termes de survivabilité, j'en suis encore à la survivabilité on va dire. On va les éloigner eux déjà. Alors après lui a 3 PV, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. Puis ça, alors l'autre il va m'attaquer, c'est chiant mais si j'avance... Il m'attaque aussi, il tue son copain, parfait. Hop, bim, boum. 3 ennemis, monsieur. On le repousse. Et donc lui, il va essayer de me choper avec
Ça lance là. Et en plus il s'enfuit après, hein. Il est veule. On va faire ça. Lui me charge. Et je suis dans la mouise. Il va me charger. Pas le choix. C'est pas bon tout ça. Parce que là il va me mettre un coup. Oh la vache. Ok. Il a tué l'autre, ça c'est parfait. On va se rapprocher. Donc là normalement ce qu'on peut faire c'est ça. Par contre lui il va me mettre un coup. Je pense pas que je puisse le tuer parce que du coup si je fais ça. Ah je suis pas dans le bon sens, merde. Si je peux. Ah je peux changer gratuitement. Là je tue ces deux là et après je tue lui, il met un coup de lance. Ouais, pas le choix. On se soigne. Pour l'instant on n'a rien pour faire du dégât, donc on va charger ça, esquiver son attaque. Voilà. On tape. On va se retourner. Malheureusement, je peux pas mettre ça. On va être obligé d'encaisser. Par contre on peut faire ça. Ce qui était très con en vrai. Voilà, meurt. Ouh, j'ai plus de mal que pendant la démo, hein. Alors, moins une recharge. On va le mettre sur la ruée de l'ombre. Alors, Iwao l'empaleur. Un guerrier cruel qui garde les cascades sacrées. Il est immunisé contre le gel. Oh, ça devrait aller, on n'a pas de gel. Donc il va attaquer avec une lance. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on se rapproche au contact. On va faire ça, comme ça on l'attaque et après on passe dans son dos. Voilà, parfait. On se retourne. Alors c'est quoi ce truc? Il frappe à une distance de deux cases devant et derrière. Waouh. Monsieur, s'il te plaît. Du coup on va prendre ça. On lui tire dessus, on le repousse. Ah, il prend plusieurs attaques. Ok. On va charger aussi. Alors, qu'est-ce que ça, Je traverse les cibles, mais je pense que s'il n'y a pas de cible, je me déplace pas. Du coup, ouais, là il va me toucher. Ok, très bien, il attaque ça. Ok, très bien, je vois. Il va appeler un copain. On va se rapprocher de lui à fond. On le tape, on traverse. Ah non, zut. On a tiré dans le mauvais sens, c'est ballot. On va le repousser. Là-bas, voilà, charger ça à l'avance. Et cette fois on se met dans le bon ordre. Je vais me faire attaquer là. Ça fait 2 de dégâts, donc ça veut dire que je suis obligé de cacher une attaque, tant pis, mais là au moins je suis dans son dos, voilà. Il a sacré PV cet enfoiré, hein. Tiens, tape ton pote. On va repousser. Donc, on le tape. On le repousse, il mange. On va esquiver son attaque. Après, on tire dessus, on le traverse. On met ça. Ok, ça passe. C'était chaud. Il faut que je pense que j'ai un bouclier aussi. Un niveau max, on va mettre un niveau max sur ça parce que ça a que 2 améliorations possibles. Et je serais pas contre un petit peu plus de dégâts parce que ça peut faire quand même assez mal, hein. Boutique de garde, boutique d'armes. Allons voir les boutiques d'armes. Ok, il nous file une popo, on se soigne. Alors, dégâts plus 5 quand tu attaques un ennemi par derrière, ok. Ah, et là on peut débloquer un nouvel emplacement. Tiens bah, la petite potion en promo. On va prendre ça et on peut améliorer un niveau max sur la flèche. C'est parti. Le port au clair de lune. Ça c'était la dernière zone de la démo, je me souviens. Alors, ok, on a des archers. Il tapit derrière les lignes ennemies, attendant patiemment l'occasion de tirer. Très bien. Donc je pense que si on le fait tirer sur son copain là... Il y a moyen que ce soit fun.
me suis planté de touche. J'ai du mal avec les touches encore. Hein. On va se prendre une flèche, on va prendre une main bouclier en fait en vrai. Ça me fait chier de me prendre une flèche encore. Là il est prêt à attaquer. Donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est ça, on inverse, on s'approche, on le repousse, on tire. Ok, c'est fait. C'était pas parfait mais ça passe. Alors là c'est pareil, c'est pas idéal. On va faire ça plutôt, comme ça je le tape. Et après je les traverse. Et lui du coup on le skip comme ça. On met une petite attaque comme ça. Il attaque très vite l'archer. Hein. Lui il attaque dans les deux sens, faut que je fasse attention. On va faire ça, comme ça du coup. Je le repousse, puis je tire. Par contre l'autre va me tirer dessus direct. Je peux pas l'esquiver. On va aller jusqu'à lui et le laminer. Ok, il y a des lanciers là. C'est pas cool parce qu'il est pile à 1 de distance lui. On va faire en sorte qu'il tape son copain. Ça va piquer là. Est-ce que je peux esquiver ça? Pas vraiment. Alors du coup il va... On va charger ça. Voilà, là on lui tire une flèche, on les traverse, on tape celui-là. Et on est encore à deux cases donc il va encore nous mettre un coup. Là ça pique tellement fort. On le repousse sur l'archer, on le tape. On va prendre ça, aller jusqu'ici. On le skip, on attaque, on se retourne. On va prendre ça, comme ça on va pouvoir aller dans son dos. On cogne, on s'éloigne, on s'éloigne, on se retourne, la flèche, hop là. La première vague, on est déjà dans le mal. Hein. On a une petite potion, on prend... Alors, moins 4 de recharge, mais moins 1 de dégâts. Changer. Plus 1 niveau max, ouais bon ok. On commence à en avoir beaucoup des plus 1 niveau max. Ce serait bien qu'on ait des améliorations aussi. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? L'indéfectible loyauté, il marche implacablement sur l'ennemi, épée au clair. Après avoir attaqué, il avance vers nous. Ok, donc c'est la différence. Tous les autres s'enfuient après avoir attaqué. Putain, par contre, elle est petite la zone, là. Excusez-moi de vous déranger, les gars, mais... Putain, il attaque direct. Et on va le taper. Oh non. On s'est fait tuer. Les lanciers, ils attaquent même leurs potes. Première défaite. Première défaite. Alors qu'est-ce qu'on a à la boutique d'intéressant? Le bâton de beau, un éclair. J'aime le nom. Le grappin, dans l'idée, je n'ai pas envie vraiment de m'attirer sur des ennemis. On va prendre ça. On va quand même prendre le grappin pour voir ce que ça donne. Allez. On a débloqué personne. On n'est pas assez bon. C'est parti. Faisons mieux. Si on fait mieux, c'est plus de thunes, bien sûr. Ok, on va l'éliminer vite fait. On tape, on va dans son dos, on se tourne, on tire. Alors, lui il attaque des deux côtés, donc ça sert à rien de passer dans son dos malheureusement. On va le faire venir et lui couper la tête. Ça va nous laisser le temps de recharger ça. Dommage, on a plus notre... Du coup on peut tirer, couper, skipper. Et on a plus beaucoup d'espace là. Il faut qu'on esquive lui. On va charger ça, on esquive lui. Lui il s'éloigne, donc on va tuer celui-là. On se retourne, on le tranche. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe. Alors l'éclair, on fable la cible la plus éloignée pour 2 dégâts. Oui, on va prendre.
peut être rigolo. Donc genre si je prends ça, alors lui il va me charger, attention aux conneries. On fait des essais mais on n'est pas là non plus pour... Donc ce qu'on fait c'est ça, on va ici, lui il nous attaque, donc là du coup. On frappe lui, on tape. Il faut la flèche avant qu'il attaque, ok c'est bon. Ouh, tout un tas de monsieur. On va ici, on les découpe, on prend ça, on lui électrifie la tronche. C'est plus facile avec des attaques à distance, hein. Alors on a trouvé une malédiction, on maudit tous les ennemis. Intéressant. Ça devra nous permettre de tuer un boss de manière assez définitive. Hop, on va lui découper la tronche. Ah bah parfait ça. On se met là, on coupe. Ah par contre on va le prendre lui. Pas le choix. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Tac, tac. Alors lui il attaque des deux côtés. Donc on va esquiver cette attaque là, esquiver cette attaque là. Tuer celui-là, on va se retourner. Prendre comme ça, esquiver, il va reculer. Ce qui va nous permettre de venir au contact et tuer lui. Mettre une petite flèche. Ok, une petite popo. On va la prendre. Alors, deux recharges, mais on gèle la cible pendant 3 tours. Alors ça, sur une attaque double, je pense que ça peut être pas mal. Alors lui, il faisait quoi ? Ok, il a pas de... c'est pas lui qui est immunisé au gel. Donc on peut prendre la malédiction pour le maudire. On charge tout ce qu'on a. On s'approche. On le gèle, on le tape, on le tape. Ça me va. Il va réattaquer bien sûr. On esquive. Il s'enfuit, donc on va lui balancer un petit éclair et une flèche. On va charger ça. On le gèle, on peut skipper quand il est gelé, ouais, comme ça on gagne du temps. Parce qu'il faut qu'il se retourne. Et on lui électrifie la tête. Ok, c'est passé sans dégâts cette fois. Ça fait plaisir. Moins 1 de recharge, bon on va le mettre sur notre épée. Notre épée en gel. Alors, amélioration d'enchantement et boutique d'armes. Amélioration de recharge et boutique de danse. On va aller chercher la boutique d'armes là. Ok, il nous donne une petite popo, donc on a débloqué un deuxième truc à vie. Dégâts plus 1 pour toutes les attaques à distance de moins 4 cases. Ouais, c'est rare qu'on attaque à 4 cases en vrai. Alors, l'attaque est effectuée 2 fois. Ouh, ça c'est fort par contre, plus 4 recharges. Ça pique. Ah non, on peut, en plus je peux même pas les améliorer parce que ça déplacerait la recharge max. Il y a une recharge max, d'accord. Et bah du coup... Ouais, du coup on va rien faire, tant pis. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Alors, la grotte au murmure. Ok, un chargeur et un lancier. Alors du coup, si je recule, il va se retourner. Je réavance, il va charger sa carte. Lui va m'attaquer. C'est pas idéal. On va charger. Le problème, c'est que lui, du coup... Non, faut que je fasse plutôt comme ça. On attend, voilà. Et là, je skip, il attaque. Et il tue son pote. On va charger ça. On l'électrifie, on lui met une petite flèche. Alors, ils vont se retourner tous les deux. Si je me mets là... Ouais, c'est ce que je craignais, il attaque direct, merde. Je vais les geler, cela dit. Donc ça, c'est très bien. On tape. On va lui électrifier la tête. Alors ici, il y a un chargeur et un lancier. Ça c'est pas cool. On va faire ça. Ici, on le gèle. Une flèche, on le tue. Ok, ça passe. L'objectif est toujours d'avoir 0 dégâts, hein, si on peut. Alors ce fameux grappin, il attire la première cible sur la case juste devant toi. Ok, on va plutôt prendre un deuxième tourbillon. Alors, 2 épéistes, 3 épéistes. Il y en a plusieurs qui vont devoir se tourner vers nous. Là, j'électrocute lui, je le tape.
Ensuite, je fais ça. Tac. J'attends, ils sont tous les deux côte à côte. On les tue. Toi. Ok, on a du chargeur. Attends, deux chargeurs. Donc lui va se retourner. 4 tours, c'est trop long. Donc il faut que je le fasse. Comment je vais gérer ça? Ça. Je me retourne. Je lui tire une flèche. Je le tue. Je fais ça. Je vais électrocuter lui. Et ensuite finir celui-là. On va prendre la petite malédiction pour pouvoir débloquer une place. Alors, eux ils vont pas se déplacer, donc si je fais ça, lui il va se sentir obligé de venir. On va charger ça. Lui il va vouloir charger. Hop, il va charger son copain. Ah zut, il va nous charger, donc ça veut dire que on attaque, tant pis on perd une flèche mais c'est pas grave, on va électrocuter celui-là. Ok. C'est pas ouf, on va faire ça, ils vont vouloir nous attaquer tous les deux, mais on va les geler. Ensuite, on charge ça, ça, je me retourne, je le lamine et je le flèche. Ça demande un petit peu de réflexion ce truc, hein. Allez, on va améliorer la dernière amélioration de notre épée de gel qui va maintenant se recharger en 2. Sachant qu'elle gèle pendant 2 tours, je crois. 3 tours, ok. Très bien. Par contre, lui, il me semble qu'il est immunisé au gel, c'est ça. Donc on va pas pouvoir le geler. Et en plus, il a de la lance. Ce qui veut dire que... Ah non, il nous attaque avec ce truc-là en plus. Et une autre attaque. On va profiter pour stacker. Ouh, le petit salaud. On va l'attaquer du coup pour se laisser... Ah non, j'avais pas le choix là, j'étais obligé de prendre une attaque malheureusement, j'aurais pu prendre un bouclier, mais on peut prendre une popo. Mettre une flèche, il prend la lance. On va se rapprocher au contact, il va nous attaquer, donc on peut pas pouvoir le geler, mais c'est pas grave. Il va nous faire la même là. On recule. Hop. Une attaque, on en prend une. Et c'est chaud, hein, si on a un truc qui attaque à deux cases juste en face là. À esquiver, c'est pas facile. Ok, il va invoquer un copain. On le tape. Deux lanciers, ça c'est pas cool. Ok. Mmh. Puis on le bosse. Voilà. De toute façon, Saïd décède avec lui. Bon, on a pris un petit peu de dégâts. Plus 100 dégâts. Plus 100 dégâts, c'est bon ça. On va mettre ça sur le tourbillon. Alors, amélioration de niveau max et sacrifier une tuile. On va aller là. On va voir si on peut pas améliorer notre. Remettre un petit niveau max à ce truc là. Alors il nous a refilé une popo, on prend ça, il nous propose quoi? Recharge plus 1 pour les tuiles et les capacités spéciales quand tu sélectionnes l'action attendre. Ah, pas mal. Allez, on prend. On prend, on prend. Et on va essayer de voir si on peut passer le port avec cet équipement. Déjà, on devrait pouvoir sniper les archers. Ça, ça me va assez bien. Toi, tu meurs parce que je t'aime pas. Aussi un archer, on attend, il a 3 PV lui, mais on va le geler, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe. Ah vache, il nous arrive juste dans le bon sens ce petit sabouin. On attend. Il vient. On les tue. On se retourne.
prend le flèche. Ah d'accord, carrément. Excusez-moi de vous déranger, hein, surtout. Une flèche. Ok. Archer, un lancier. Lui va me tirer dessus. C'est pas cool. Ça va pas mettre suffisamment de temps, donc on va prendre un bouclier et se préparer à taper. Hop, on esquive. Et salut Zikino, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Meurs. Et quoi là? Recharge les tuiles et les capacités. Oh, pas mal. On va baisser la recharge de l'éclair. Ça va bien, ça va très bien. J'ai pas eu le temps malheureusement de streamer ce jeu plus tôt, j'avais pas le mood, mais je l'ai depuis la release et j'avais très envie de m'y remettre. Alors, tout à l'heure on s'est fait dépouiller là par ces cons là. Mais cette fois on peut les geler. On va aller au contact avec lui. On va le faire taper son copain. Se retourner. Et on va stacker ça. On peut pas mettre 3 attaques, d'accord. Du coup on le tape, on le gèle, on tape sur lui. Et après on l'électrifie. Parfait, c'est fait. Encore un, bébé. Allez, retourne-toi. Viens vers moi. Venez. Hop là. Hop là. Le petit combo. Ah la même. D'accord, très bien. Bah, écoutez. Il charge déjà une attaque. D'accord. Il va m'attaquer au prochain tour par contre. Ça me plaît pas trop ça. On va plutôt faire ça. Voilà. Hop, hop. Ah merde, un lancier. Ça c'est pas cool. Ça, ça me plaît pas trop parce que du coup. Ouais, il faut que je recule. Ouais, voilà. On a quoi là? Pas grand chose. Je peux tirer dessus, mais il va m'attaquer dans tous les cas. Tiens, tape ton copain, ça sera très bonne idée. On le tue, on fait un coup dans le vent malheureusement. On va l'électrifier, voilà. Et donc ils sont combien là? Hein? Qu'est-ce que c'est ce scandale? On m'arnaque. Je vous vois. Ok, ils vont se retourner, on va charger ça. On les gèle, on les tue. C'est pas mal, réussite, ça va. Moins 1 de recharge sur la flèche. J'aimerais bien améliorer les dégâts de ce truc là. Oula, 4 ennemis. Je sais pas si je préférais pas la petite carte en fait. Alors, comment on va faire ça? Lui va se retourner, lui va venir vers nous. Ce serait pas mal que lui charge là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper ça. Hop, on attend. On attend, il nous charge. On laisse charger son copain, on tue lui. On se retourne. On équipe la flèche pour le tuer, voilà. Ensuite, on va commencer à DPS un peu celui-là. Voilà, il va venir vers nous, on équipe ça. C'est un lancier donc il faut qu'on le chope au contact. Ok, on a un gros tas direct. On va là. On le gèle, on se retourne. Eh merde. J'ai raté d'un mon calcul là. On va se prendre un coup d'épée. Tant pis, on va préparer une attaque. Tant qu'à faire. On va faire ça. On va faire ça. Et comme ça, on tue celui-là et on tue celui-là. Ça fait un petit combo quand même. Ah, un archer. On vient là. On fait bim, la flèche, le combo. Parfait. On va prendre une potion. Toi, t'as 4 PV. Ben, on a 4 d'attaque. On esquive ton attaque. On y va. Ah, ok, très bien. Du coup on va faire l'éclair sur celui-là, ça m'arrange pas des masses. Enfin, ça m'arrange pas des masses, si pourquoi pas, mais.
Ce qu'on va faire du coup, c'est que là on électrifie celui-là, après on tape, on tue celui-là, on gèle celui-là, et après on lui met une flèche dans les fesses. C'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Lui il a 4 de dégâts par contre, ce qui m'arrange pas des masses. On va prendre la malédiction. On esquive, il tue son pote. Ah zut, je pensais qu'il allait reculer lui. Ok, tuons-le, c'est comme ça. Pas une flèche, voilà. Il y a un chargeur ici, donc il faudrait qu'on l'incite éventuellement à taper sur ses copains. Donc là, il va charger son truc, l'autre va se retourner. Il va se préparer à charger. On va être bien. On va charger ce qu'il faut. On attend 2 tours. Voilà, là il charge, on y va. Bim, on se pousse. On tape, on tape. Par contre, il faut qu'on se retourne. Qu'on charge ça. Un bouclier. On attaque lui, on encaisse ça. On se retourne. On électrifie. Ok, ça passe. Plus 1 de dégâts, plus une recharge. Ça, ça sera parfait pour toi. Voilà. Les jumeaux. Les jumeaux. Lorsque l'un des jumeaux fut frappé par une mystérieuse maladie, son frère désespéré alla trouver le shogun. En échange d'un remède, les jumeaux lui jurèrent fidélité. Cependant, on raconte que la maladie aurait été provoquée par le shogun lui-même. Ah, le salaud. Alors, il avance vers moi. Ok, c'est la même description, donc ils sont tous les deux pareils, très bien. Il va donc falloir qu'on se prépare au max à faire du dégât. Ils ont l'air d'avoir la même... Ah putain, c'est des lanciers. Ça, c'est pas cool. On va taper, on gèle, on tape. Ok, il active ça. On le traverse. Merde, je suis con, il attaque de côté avec ça, c'est vrai. C'est quoi ce truc? Il se rue en avant, d'accord. Et ben on va mettre un petit peu d'électricité, taper là-dessus, bouffer une popo. Donc lui est gelé. Donc ce qu'on fait, c'est ça. Ok, il charge un autre truc. On va le traverser. C'est quoi ça? Permute le contenu des cases situé juste devant et derrière. Ok, très bien. Par contre, on est coincé là. Face à sa lance, on va prendre un bouclier et ça. Ok, on est coincé comme des cons, on va recharger ça. Alors là, il va attaquer, mais je pense que si je fais ça et ça, je les tue. Oh, ok, parfait. Bon, on a cramé tous nos consommables, mais c'est passé. Et on a réussi la quête, le fléau des jumeaux. On va prendre ça. Un peu plus de versabilité. Et ensuite une boutique. Une petite potion, on va la prendre. Alors plus 1 de dégâts, ça c'est pas mal ça. Plus 1 de dégâts sur l'éclair. De 20 pièces par contre, et ça c'est quoi? Permet d'effectuer ta capacité spéciale même si tu n'es pas face à l'ennemi. Oh, bah oui. Ça c'est fort ça. L'affaire de dos c'est hyper fort. On va claquer un petit crâne pour avoir un deuxième truc. Ah, on peut le prendre en plus. Dégâts plus 1 pour toutes les attaques si tu as bougé ce tour-ci. Comment on peut bouger puis attaquer? On va voir. Donc la démo s'arrêtait là, on va pouvoir avancer un peu. La porte aux esprits. Alors il y a des places pour d'autres maps. Hein. Je rappelle que c'est juste la l'Early Access. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette chose? Lutteur, un ennemi réellement terrifiant, ses motivations au service du shogun restent un mystère. Fort bien. On va aller au contact face à lui. Parce que sinon il va nous mettre sa lance. Hop. On va le repousser. Alors qu'est-ce qu'il fait? Un grappin et après il attaque. Ah, c'est salaud ça. C'est très salaud. Ah, du coup il va me faire 3 de dégâts. Rien que ça quoi. Waouh. Ah ouais, ça pique. Et bah nous on te tape, voilà, pour la peine. Encore un. Il a 5, c'est plus juste assez, on va s'en débarrasser direct. On se retourne. Hop. Viens par là, viens par là. Ah il s'éloigne après.
va attendre et on les assomme. Voilà. Un archer. Alors on a récupéré. Empoisonne tous les ennemis, ils subissent un point de dégâts à la fin du tour pendant 3 tours. Oh, c'est pas mal. Là, on a le temps de charger une flèche tout simplement. Un lancier. Et une popo là. Mais là ce que je veux surtout c'est. Voilà. Placer là. Ah, je me retourne. Ah, il m'attaque l'autre. Donc on va aller geler. Puis repousser lui. Et bim. Ensuite on équipe ça, pas besoin de se retourner, ça cogne. Encore un comme ça et en plus c'est dans le bon sens. On va le changer, hop. On le tape, on le tue. Ça, ça va nous permettre de tuer celui-là. Par contre lui il a 3 PV et puis en plus c'est un enfoiré de lancier, j'aurais dû le prévoir. C'est ma faute. Ah ouais du coup j'attaque dans le vide je sais mais bon. Dès qu'il a sa lance qui s'active, il faut aller chercher lui. Allez, on tue. Voilà. C'était pas ouf, je suis d'accord. On va prendre la petite pépée. Moins 4 de recharge, moins 1 de dégâts. Non, ça me va pas. Bon, il fait pas de dégâts à mes armes. Ça c'est quoi? Il a l'air d'avoir un shuriken. Frappe vite et sans bruit, sans jamais laisser le temps de réagir. Il peut attaquer immédiatement après ajouter une tuile. Waouh, ça pique les fesses, hein, s'il te plaît, monsieur. Du coup, on peut jamais le faire attaquer son copain, quoi. En vrai. Allez, on va lui faire ça, ça. Et du coup, là, il va m'attaquer. Mais si je fais ça, il est mort. Ah non, c'est à la fin de son tour qu'il prend. Les sagouins. Ok, on va tourner. On va même remplacer. Je peux remplacer par un autre truc? Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Va là, toi. Après, on tire. On va prendre ça. Puis ça. On met un petit peu de foudre, on y va. Saloperie de lancier. Merci de mourir. Il y a une potion là. Faut qu'on aille la chercher. Il va vouloir m'attaquer lui, mais on va là, on se retourne, hop, parfait. On va faire ça, la flèche. Peut-être ça aussi. Non, ça marche pas. On se rapproche un peu plus. Un chargeur. Sachant que j'ai pas ce qu'il faut. Vouloir charger. Ah, je vais pas me recharger assez vite. Zut. On va les empoisonner. On va repousser lui là-bas. Ok, comme ça il est mort. Et ils sont morts. C'est showtime, hein. Là on peut tuer celui-là. Charger ça. On se met ici. Ok, 2 morts. Là on va prendre ça pour le repousser. Quand c'est l'attaque dans le vent. Une flèche, puis ça. Ok, ça passe. Plus 1 de dégâts, plus 1 de recharge. Sur ça. Allez. Six vagues. Wow. Ok, alors. Un lancier, ils nous tournent tous le dos. Tuer celui-ci. On va aller au contact là. Charger ça. Hop là. On esquive lui. On se retourne. On va charger ça. Il va se rapprocher. On s'éloigne. On prend ça. On le tire. On le tue. Alors là il y a un enfoiré avec son espèce de d'œil bionique là. Alors lui il va m'emmerder par contre parce que il attaque
des deux côtés. Donc il va me taper quoi qu'il arrive. En camping, on va prendre le coup. C'est à lui, c'est comme ça. Bon Pacta, merci beaucoup d'être passé. Non, en fait, c'est pas top ça. Ça me prend un tour de l'enlever. Hein. Je voudrais plutôt le repousser lui. Puis tirer. On le repousse et on tire. Voilà, c'est mieux. On va sniper l'archer et tuer celui-là. Voilà. Alors, encore un archer, puis un lancier. On est à deux cases du lancier, donc attention, il va vouloir nous taper. On va geler celui-là, mettre une petite flèche. Et on l'a dans l'os, à cause de ce qu'on a. On peut le... C'est vrai, on peut skip dans à l'envers. Ça, c'est très fort, ça. Alors, faut avancer. Ok, parfait. Hop, et hop. 5 sur 6. Il y a l'autre, là, mais il pourra pas nous attaquer tant qu'il y a tout ce monde devant. Ok, on va se faire défoncer le cul. Autant on va prendre qu'une seule attaque. On se retourne. Hop. On inverse. Voilà. Alors, un archer, un gros tas et un ninja. Déjà, on peut faire ça. Et les geler. Ensuite on les tue comme ça, par contre l'autre il m'attaque direct. Attends, y a pas de temps de buller hein, c'est ouf hein. Alors, moins une recharge. Peut-être pour toi, non. Pour la flèche, tiens. Alors, les statues. Oh, y a plein de PV là, plus une jauge de PV, comment ça se passe? L'âme de ce général émérite fut maudite et scellée dans la statue de pierre qui sert aujourd'hui de corps, impossible à déplacer. L'âme de cet ancien serviteur fidèle est désormais enfermée dans cette statue de pierre, liée à la volonté de son maître pour l'éternité. D'accord, donc de toute façon je pourrais pas faire grand chose. Il appelle des copains, et en plus après il attaque. Alors c'est bizarre parce que du coup ça, il l'attire sur la case juste devant moi, et il attaque à deux cases devant, dans l'idée. Je peux le geler, je peux le geler. J'aurais dû prendre ça, tiens. On va charger un max. Ah, il fait un autre truc. On le regèle, on lui fait un max de dégâts. Il va vouloir faire des trucs, l'autre là. Mais c'est pas grave, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire taper sur son copain, puis le repousser dessus. Là, il est reparti pour faire son malin. On y va, on recharge, il attaque, on le gèle, on retape, et on le finit. Ok, pas mal. On a cramé toutes nos popos par contre. Hein. On va reprendre un éclair. Alors, sacrifier une tuile et boutique de garde ou amélioration d'enchantement. Amélioration d'enchantement, ça fait quoi? Onde de choc plus une recharge. Quand tu frappes une cible, si d'autres ennemis se trouvent sur des cases adjacentes, une onde de choc se déclenche et inflige un point de dégâts à chacun. Oh, ça sera un truc à mettre sur ça. Carrément. Alors, octroie un emplacement d'objet supplémentaire. Oui, pourquoi pas. On va débloquer. Les combos fatals rechargent la tuile et infligent le coup mortel. Intéressant. On n'a pas les sous, mais c'est intéressant. Alors, les sources chaudes. Qu'est-ce qui nous attend dans les sources chaudes? Un truc. Un protecteur. Animé d'un esprit altruiste, il voue son existence à défendre ses alliés. D'accord, hein, qu'est-ce qu'il va faire, des boucliers, un truc du style? Alors du coup, on va tester. Ouais, il va effectivement faire un bouclier.
Alors ça fonctionne, mais du coup c'est con parce que lui me tue. Très bien. J'en prends note. Merci de mourir. Allez, la flèche, l'éclair. Ah non, mince, je me suis gouré de touche, je me suis gouré de compétence. C'était celle-là que je voulais prendre. Et du coup, j'attaque lui maintenant. Pas grave, on va électrocuter le gelé. On va prendre une popo. Donc la flèche, l'éclair. La flèche, l'éclair. Ok. Un archer. On va aller le chercher au contact, lui. On le repousse. Il va foutre un bouclier sur celui-là, mais ça me va. Enfin, ça me va. C'est chiant, mais c'est acceptable. Ah, j'aurais dû prendre le truc de choc, tiens. Alors, un archer, pas dégênant. Lui, enfin, il va se préparer à me tirer dessus direct. Faut faire attention. Ce que je peux faire, c'est ça. Mais si je fais ça, je pense qu'il me tire dessus. Ah, mais il y a le lancier là, il va me faire chier aussi. Ouais, c'est con ça. Tant pis, on va devoir faire ça, ça. Ok, et là on esquive. Nickel, on se retourne. On va au contact, pas encore. On va au contact maintenant. On les gèle. On les tape. Ok, l'autre là-bas nous embête. Faudra plutôt qu'on inverse. 2 pour péter le bouclier, 3 pour le taper. La petite flèche. On enlève le bouclier, on tape, on tape. Il va mettre son bouclier, mais c'est pas très grave. Hop. On a cramé son bouclier. Maintenant, elle a plus rien à faire. Elle est en maligne. Voilà. Un niveau max, sans contrepartie, tiens, bah sur mes bananes là. Les sources chaudes à deux. Ça tout seul. Ok, pourquoi pas. Ah, voilà qui est plus logique déjà. On cogne, on foudroie. On est sur une petite zone là. Ah, là c'est un gros et on a plus grand chose. Enfin, il a besoin de temps pour charger ses compétences, c'est ça qui est bien. Zut, toi tu m'embêtes. On tape, on gèle. Toi, tu vas t'approcher, vouloir nous taper. Tape, tape ta copine, c'est parfait. Une flèche. Il va prendre un bouclier en plus, donc il faut que je le tue avant par contre. Ok, parfait, il apparaît devant, ça c'est très bien. Ça nous arrange carrément. On va geler, repousser. Wow, trois ennemis en un coup, j'avais jamais réussi, c'est parfait. Saloperie d'archer. Ok, parfait, l'autre qui apparaît devant, c'est exactement ce qu'il nous faut. Prendre ça. On tape, on électrocute, il va nous tirer dessus par contre. Mais bon, on peut pas tout éviter, hein. Aïe. L'autre il va préparer une lance là. Donc on va plutôt faire comme ça. Préparer ça et ça. Puis ensuite ça. Vas-y, tape sur ta copine. L'éclair. C'est pas assez, mais ça va quand même l'endommager un chouille. C'est quoi ce truc là? Gèle tous les ennemis pendant 3 tours. Oh, pas mal. La flèche. Ça me perturbe parce que ça me donne l'impression que c'est un projectile en fait, alors que pas du tout. Alors, moins d'une recharge. C'est vrai qu'il se recharge lentement nos trucs là. On va recharger les bananes plus vite. Hop là. Alors, waouh, un chargeur tourné directement dans notre sens et 2 lanciers ici, donc on peut même pas les éviter. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va repousser directement ces deux-là, voilà. Là on s'éloigne un peu, hop. On va buter celui du fond, nickel. Et aller chercher lui. Parfait. J'ai envie de dire que ça me va, on va le tuer.
On va aller chercher lui, c'est trop long, on va geler. On va le repousser. Hop là, s'il te plaît, merci. On va prendre ça, la flèche, ah trop tard. Aïe. La popo. Alors, deux archers. On électrocute, on tape, l'autre il va se rapprocher, on évite son attaque. Il a jeté un bouclier. Ah, je me demande si je m'étais mis devant, si elle m'aurait jeté le bouclier sur moi du coup. Charge ça. Non, putain, mais il m'a pas dit qu'il attaquait. Saloperie. Allez, va là-bas. Ah non, elle a pas lancé son bouclier, intéressant. Waouh. Excusez-moi. Ça c'est un lancier donc il va vouloir nous taper. Est-ce qu'on peut réussir à tuer mademoiselle là-bas là? Ou c'est trop demandé? On le repousse, on tire sur lui mais il va nous charger dessus, en plus il se reprend un truc. Bordel. Faut qu'on fasse quelque chose là avec lui. Charger ça, il va aller charger je ne sais où. En plus il a un bouclier donc on peut même pas le tuer, on l'a gelé, c'est déjà ça. On va le tuer, ça s'est raté, tant pis, on esquive ça. On gèle. On va commencer à électrocuter celui du fond, mais il y a un archer devant donc il nous faudra une flèche. Hop, voilà, il va tirer, donc là on électrolyse, on tire, parfait. L'autre va se retourner, on shoot. Ok, on charge ça, on les gèle. On repousse lui sur son pote qui va nous dépouiller direct. On va prendre la popo, tant qu'à faire. Hein. Aïe! Ça fait mal! Il va reculer là, c'est parfait, j'ai envie de dire. On va prendre un coup pour rien. Donc on va se barrer, ravancer. Ok, on va tuer lui parce qu'il m'embête. Survie, ouais, j'avoue, là c'était chaud. Hein. On va prendre les potions. Alors, plus de dégâts sur la flèche. Je serais pas contre un petit dégât de plus sur la flèche. Koa le Quar. Koa le Quar, davantage réputé pour ses coups sonores que pour son courage. Il sert le Shogun non par fidélité mais par peur. Très bien, donc il faut qu'on lui fasse plus peur que le Shogun. Ça me convient. Il va mettre un bouclier, ok. On va le maudire. On le repousse un peu, on le tape. Lui va nous embêter. On va charger ça. Hop, voilà, comme ça il tape son copain. Coucou. On va charger ça. On tape, il recule, ok, très bien. Ça c'est quoi ça? On permute avec la première cible devant nous, d'accord. Donc il est vraiment en mode. Il a permuté avec nous là du coup. Il va faire des dégâts, j'ai pas vu. Je crois pas. Peut-être que si. Ok, il appelle des copains même sans avoir la cloche. Voilà, je l'ai avant qu'il fasse son bouclier. Hop. On va prendre ça, ça. On le repousse. On électrocute un petit coup. Il va mettre son bouclier, mais ça me dérange pas trop. On va sniper le mec derrière, ensuite on va sniper celui-là. Ouais, ça fait un dégât effectivement, on va le geler. Taper là, taper là. Et là, on tape et on le finit. Ok, parfait. Bon, on a pris un dégât. Franchement, ça va. Moins de recharge pour le coup surpuissant, ça me va bien. Et là, on n'a qu'un seul choix, ok. Moins 1 de recharge pour l'éclair à 3. Un objet supplémentaire, c'est pas utile. Les ennemis tuent avec un combo d'une pièce de plus. Alors, c'est un truc peut-être à voir plus tôt que ça, mais allons-y. Le fort de Hideyoshi. Alors, ça c'est quoi? Ce combattant terrifiant est capable de se rapprocher rapidement de ses ennemis pour leur porter le coup fatal. Peut attaquer immédiatement après avoir ajouté une tulle à sa file d'attaque. D'accord. Ok, il charge.
Et il attaque direct, d'accord, c'est ça qu'ils veulent dire par attaquer directement. Ouais, effectivement, je l'ai pas, ouais. Aïe, aïe. Par contre, maintenant que tu t'es rapproché, on va te défoncer. Ah, l'archer direct, ça c'est pas bon ça. On va le repousser. Hop, bim, voilà, parfait. La petite flèche. Le petit éclair. Alors attention parce que lui va vouloir nous emmerder. Et lui il attaque avec un shuriken aussi. Donc de toute façon il va nous toucher. C'est chaud hein. Franchement c'est chaud. Ok, là on tue avec la flèche, on tue avec l'éclair. Plein de chargeurs. Quelle bonne nouvelle. Alors, il va falloir qu'on fasse ça. Et là, on tue ces deux-là, on tue celui du fond. Un archer, une protectrice. Bon, la protectrice, c'est moins gênant. On va équiper ça et la flèche. Comme ça, on tue lui, puis celui-là. Bah oui, t'as changé d'avis, hein. Se met un bouclier, c'est pas grave. Un archer. Ok. On va pas s'en occuper pour l'instant de celle-là. C'est franchement moins grave. Ah putain, il a. Ah ouais, forcément, obligé de m'éloigner à cause de ces conneries. On s'éloigne, on se rapproche. On va prendre ça. On s'éloigne. On se rapproche. Dommage. Aïe aïe aïe. On va le repousser. Je vais pas le tuer de nouveau hein. Je me... Bon ok, faut se débarrasser d'elle parce qu'elle est vraiment insupportable en vrai. Tiens, crève, voilà, merci. Ça commence à bien faire les conneries. Allez, enlever ça. Sniper celui du fond, il nous fera plus chier. Je me suis encore gouré de touche, c'est ça que vous me dites. C'est possible, bah ça permet de faire un combo comme ça. Ok, lui on va le repousser sur son copain, déjà ça fera un peu de dégâts. On esquive, on se rapproche. Il va nous attaquer direct, forcément. Ok, il faut vraiment, vraiment prévoir de le taper quoi. Il y a une potion là, faut qu'on aille la chercher. Voilà, merci. Alors, toi. On te tape, on te repousse. On te tape, on te repousse. Voilà. Lui va venir, mais il a le temps. La flèche, l'épée. Ok, on va se préparer à sniper celui qui est là-bas. Ce sera fait. Barre-toi. Vague 10 sur 10, en avance. Ok, faut qu'on se prépare à se débarrasser de lui. Donc ça. Ça pour tuer celui qui est là, on va pas lui faire assez. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est équiper ça. Lui va nous attaquer, on fait ça. On tape, on shot, on tape. Ok. Ça passe! Chaud, mais ça passe! Moins 2 de recharge pour l'éclair, bah allons-y. Hideyoshi le rusé. Ce guerrier aux origines modestes s'est fait connaître grâce à son apparent génie tactique. Son apparent génie tactique, j'aime. Malgré son surnom, il a la réputation d'être étonnamment crédule et de se laisser facilement abuser. Ok. Et il est immunisé au gel. Et il peut attaquer immédiatement après avoir ajouté une tuile. Waouh. Va falloir qu'on reste au contact pour swapper avec. On prend un petit peu d'eau. Et on est parti. Alors. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle directement quelqu'un. Ça me va. Je peux faire avec. Bon, c'est un lancier, c'est un peu chiant, mais je peux faire avec. Il va attaquer juste après, et c'est un truc qui attaque à d'autres distances. Ça. Ce qui veut dire qu'on va faire ça, ça, et shooter l'autre. Ah, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Reflète votre position sur la grille de combat. Waouh. D'accord.
va équiper ça, j'ai envie qu'il nous tape. Donc ce qu'on fait c'est qu'on switch, il va nous taper malheureusement. Putain, ah oui d'accord, il s'est retourné grâce à son truc. Téléporte sur la caisse centrale en permettant avec la cible qui s'y trouve. Waouh, il nous a fait tellement mal, on a tellement rien pour le shooter. Ah non, il va nous défoncer. Je peux pas l'esquiver là. Parce que ça c'est attaque proche, ça c'est attaque à deux cases. Donc je l'ai dans l'os. Il est immunisé au gel, donc on peut pas le taper. Voilà. Aïe aïe aïe, on s'est fait tuer par le vagabond. Hideyoshi le rusé. Mais c'est pas grave, on va pouvoir arrêter comme ça le premier épisode de VOD avec le run du vagabond. Et normalement je me gourre pas. Grâce aux jumeaux, on a débloqué le Ronin. Ronin ou Ronin, je sais jamais. Donc on va arrêter là cet épisode de VOD. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup. Je vous remercie d'avoir regardé. Et on se dit à très vite pour tester le Ronin. Ciao ciao tout le monde.